à l'angle de la rue du Faubourg Saint-Honoré et de l'avenue Matignon. Nous accueillons maintenant dans ce chercheur d'art à Paris Géraldine Sbero, la galerie Géraldine Sbero, et Pascal Villecollet, l'un des jeunes artistes. Alors, vous en avez combien dans votre écurie de champions? Une petite douzaine en permanence. Est-ce qu'on peut les découvrir en votre compagnie? On va les découvrir en images pour certains d'entre eux. Et vous les présentez à chaque fois. Alors allons-y. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans votre galerie? Alors là, c'est David Saint-Tract. C'est un artiste avec qui je travaille depuis pratiquement 10 ans. C'est l'instigateur du mouvement Pop Libre, ce qui veut dire qu'en fait, il n'a aucune limite au niveau du thème, mais aussi bien des techniques. Il utilise aussi bien la photo, la digigraphie, la peinture, la résine. C'est une valeur montante? Absolument. Absolument. Exposé donc à la galerie Géraldine Sbero. Mais vous êtes multicarte. Alors ça, c'est Pascal Villecollet. Pascal Villecollet qui est là. Alors, vous avez le droit de commenter son œuvre. Faites comme s'il n'était pas là. Ce qui est intéressant, enfin, ce que j'ai vraiment envie de dire, c'est qu'on a fait un vernissage il y a 2 mois et qu'on a absolument tout vendu le soir du vernissage. Ça a été un succès énorme. Les collectionneurs... c'est un portrait de... C'est un portrait de Romy Schneider, mais avec une petite surprise puisqu'il lui a mis un piercing dans la langue. Et donc, il a un petit peu détourné l'image... Ulysse de Romy Schneider. Un autre poulain de la galerie Sbero. Oui, là c'est Jean-Claude Cuenca. Donc finalement c'est un portraitiste assez classique, sauf qu'il mêle le visage et les lettres. Donc selon qu'il peigne un chanteur ou un acteur, il va utiliser finalement le texte d'une chanson. C'est de la peinture ou c'est une photo? C'est de la peinture uniquement, comme Pascal. Il n'y a pas de photo, c'est vraiment de la peinture. Bon, et la technique chinoise qu'on a vu. Attendez, là il y a du street art également. Toxique, qui nous vient du Bronx, qui était un des meilleurs amis de Jean-Michel Basquiat et qui fait partie intégrante de l'histoire du street art des années 80. Et qui est un artiste incontournable. Tout le monde vend du street art, il faut vendre du street art. Oui, c'est très important, ça fait partie intégrante de l'histoire de l'art aujourd'hui. On continue à découvrir des artistes. Alors là, on voit Brigitte Bardot, mais ce n'est pas Brigitte Bardot en photo. Ce n'est pas Brigitte Bardot, c'est en fait un tableau qui est fait par Max Biedmann, qui est allemand, mais qui vit entre Londres, Paris, Miami, enfin il voyage énormément, et qui parle des riches et célèbres sur un ton ironique, avec un humour très très british. Et on continue le tour des pensionnaires de la galerie Sbero, rue Jean Mermoz, voilà, dans le 8e arrondissement. Alors là, on a vu longuement cette œuvre-là. Puis vous avez une dernière pensionnaire à nous montrer. Est-ce qu'on peut la découvrir? Puisqu'on est à la fois radio. C'est toujours Max Winman qui nous fait aussi des sculptures et qui a repris là, évidemment, le Love d'Indiana. Mais en le détournant en cash. Bon, est-ce qu'il y a encore assez de créativité là, par exemple? Regardez, là, oui, c'est 7. C'est encore un artiste du street art. Ce qui est génial, c'est qu'il voyage dans le monde entier. Il a une émission, d'ailleurs, qui s'appelle Glom Painter. Et donc, lui, c'est un globe-trotter. Un Playmobil. Alors, on s'en tient là pour la présentation de votre écurie. Vous en avez beaucoup d'autres. Pascal Villecollet, vous êtes jeune artiste. C'est important d'avoir une galerie implantée dans le quartier des galeries chic. Oui, bien sûr. C'est important, mais au-delà de ça... on peut être dans une galerie et pas s'y plaire. Moi, je m'y plais chez Géraldine et j'ai une relation particulière avec cette galerie. Et je pense que c'est vraiment l'élément essentiel pour avancer ensemble. Et voilà pourquoi je me sens bien dans cette galerie, mais je suis aussi dans d'autres galeries. Mais c'est pas la même relation que je noue avec justement cette galerie. Alors, on dit les grands artistes ont eu de grands galeristes, de grands marchands. Oui. Bah, écoutez, on marche main dans la main, hein, on travaille ensemble et ça se passe bien. Donc, voilà. Un tout petit mot de votre parcours d'artiste. Alors moi, j'ai une formation de graphiste. J'ai fait ensuite de l'illustration pour enfants et j'en suis venu naturellement à la peinture depuis 5 ans. Géraldine Sbero, est-ce que vous aurez demain des succursales dans le monde entier? J'espère bien. On vous verra dans les grandes capitales. Il faut aller sur ces marchés chinois, par exemple. Écoutez, déjà, pourquoi pas? Je pense que déjà, il faut être bien installé à Paris. Et ensuite, peut-être l'Europe, pour commencer. Voilà, et on vous reverra, vous et vos artistes, sur BFM Business, dans ce chercheur d'art à Paris. Nous poursuivons avec une exposition un petit peu originale, un petit peu particulière, actuellement au salon...